Un truc qui est vraiment intéressant avec les araignées, c'est leur manière de s'accoupler. Ici, nous avons un mâle qui va tenter sa chance avec une femelle. Espérons d'ailleurs qu'il ne se fasse pas manger. Comme vous pouvez le voir, il met des petites tapes avec ses pattes avant. Les mygales sont pratiquement aveugles, et donc le sens du toucher a un rôle majeur dans la reconnaissance entre individus. Le mâle a fait sortir la femelle de son terrier. La première étape est donc réussie. La deuxième étape de l'accouplement pour le mâle va être de soulever la femelle. C'est d'ailleurs à cette étape qu'il est le plus vulnérable car il est exposé au chélicère de la femelle qui pourrait n'en faire qu'une bouchée. Une fois que la femelle est soulevée, le mâle passe à la troisième et dernière étape. Les organes sexuels de ce dernier se situent au bout de ses pédipalpes qui va coller à l'abdomen de la femelle. Il pourra ainsi transférer son sperme et aura accompli sa mission.